Il y avait plus de doigts collés par ici, là. Allô, allô, allô. Où sont les doigts collés, là? Ok, il n'y avait pas les doigts collés par ici, là? Ici, ça va marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si, c'est pas le premier coup. Il est où? T'en es où? Voilà, c'est juste ta bonne poche. On s'en fout, c'est ma poche. Regardez, laissez quand même vos assiettes parce qu'il y en a qui veulent pas monter sur scène mais qui sont hypnotisables et qui vont dormir dans leur assiette, donc ça c'est pas grave. On y va en continu. Alors, sur scène, on a Jenny, enchantée. Elena. Saël. Florence. Rita. Saël. Saël, enchantée. Kelly et Flo. Laurent. Tu as ton micro? Ok, comment ça va ici? Ah pardon, il y a quel est le souci? Ça va être un peu plus chiant pour manger. Ok, ton prénom? Rita. Ok, alors regardez bien. Ce qui est étrange en fait, c'est juste d'être concentré sur... T'avais les doigts collés ou ils sont pas collés? Ils sont collés tes doigts? Mais attends, toi ça va en fait. Peux-tu nous parler? C'est pas comme ça. Ok, juste dis-moi si tes doigts sont collés, parce que regarde maintenant. Complètement collé, impossible de les coller. Si de les coller, c'est pas comment passer. Maintenant, deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus. Et cette énergie qui est sur vos doigts, sur ta fourchette, et sur tes doigts, va passer dans tes pieds, dans vos pieds, maintenant. Tous vos pieds sont collés au sol, complètement impossible de décoller vos pieds. Vous allez essayer de faire un pas, mais c'est complètement impossible de décoller ses pieds. C'est marche. Dans tes pieds, tes doigts se décollent, mais tes pieds restent entièrement collés, entièrement collés. Mais tu peux pas. Pareil. La colle descend de plus en plus, de plus en plus. Le long de ton dos, le long de tes jambes, maintenant. Tes pieds restent entièrement collés, mais tes doigts se décollent maintenant. Et oui. Toi, j'ai envie de te laisser comme ça. Alors, du coup, la colle dans le long de tes bras, le long de tes dos, le long de tes jambes. Et maintenant, tes pieds sont entièrement collés, verrouillés au sol, maintenant. Tes doigts se décollent, mais tes pieds restent entièrement collés, verrouillés au sol, maintenant. Bien, mais tes doigts ne sont pas décollés? Ah, c'est fort, ah, c'est fort. Alors, juste Céline, je veux juste regarder ça. Attends, regarde, regarde, ça s'est décollé, s'il te plaît. Ça s'est décollé? Parce que t'as pas mis la bonne colle, regarde, mets la bonne colle, regarde. Complètement collé, figé, serré, scellé, soudé. Regardez, prends cette colle, regarde ça. Quand on colle à la tête. Ok, super. Juste on va toucher, on va mettre la tête. Colle à ta tête. Impossible de décoller ta main. Ta main fait partie de ta tête, ta tête fait partie de l'eau. Ouais, c'est un peu plus dur sur les doigts. Regarde, ça décolle maintenant. Tout se décolle, maintenant. Ça va, c'est compliqué? Par contre, vos pieds sont complètement figés au sol. Tu me fais rire avec ta fourchette. Alors, est-ce qu'on continue à refouler la tête un peu aisément ou pas? Vous êtes vraiment décédé. Ok. Alors, regarde. Je crois qu'on colle à ta tête. Ah oui, t'as pas mis la bonne colle, c'est comme tout à l'heure. Mets la bonne colle. Ta tête fait partie, ta main fait partie de ta tête. Décoller, décoller, c'est dessous. Deux fois plus, trois fois plus. Par contre, tes pieds sont bloqués. Tu peux plus bouger. Ok, c'est compliqué. Vous libère, tu seras puni. Alors, juste ça, c'est l'avantage aussi de l'hypnose. C'est pour vous faire voir aussi qu'il n'y a aucun fake. Vous avez compris? Ok. Il n'y a pas d'acteur. On n'a pas payé les gens pour venir avec nous, là. On joue aussi sur le réel. C'est ça qui est hyper important. Vous vous rendiez compte, en fait, que l'hypnose, c'est juste votre travail à vous. C'est un travail personnel. Un travail de concentration. Un travail d'imagination. Et de laisser aller. Ah, pardon. Du coup, tu fais un brushing, tu fais quoi avec moi? Tu veux les décoller, regarde, tu décolles maintenant. Vos pieds se décollent. T'es décollé. Tu te sens? Pas mal, non? Tes pieds, tu peux les bouger? Non, je sais pas. Tu peux les bouger? Je sais pas, faut que je teste. Tu peux essayer, mais tu peux plus les bouger. C'est complètement impossible. D'accord. Oh non, les muscles. Je crois que c'est bon, quand même. Vas-y, refais. Ah oui, ok, c'est parce que t'as pas mis le bon bloc de ciment, regarde. Un bloc de ciment hyper passant, trois fois plus grand. Une tonne de ciment, tu peux bouger tes pieds vont partir tout seul. Le sol fait partie de tes pieds. Puis tu vas essayer de les bouger, ce sera impossible. Essaye de les bouger, mais tu peux pas faire un seul pas. C'est maintenant impossible. Maintenant. Rita, tes pieds sont collés? C'est dur. Ça se décolle maintenant. Ok. Non, mais c'est bien, ça soit collé. On y va. Tes pieds sont collés?
Si tu arrives à faire un pas, vas-y, dis-moi, parce qu'on va faire un petit tri aussi. Essaye de faire un pas. Je pense qu'elle se fait engueuler, en fait. Ok, super. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit fond de musique léger, Céline Dion ou... Non, surtout pas. Ok, comment vous sentez? Ça va? Ok, c'est cool. On va essayer d'aller un peu plus loin, d'accord? On va essayer d'aller un peu plus loin. On va continuer dans ce délire hypnotique, d'accord? L'idée, c'est quoi? C'est d'aller un peu plus loin sur la transe hypnotique, à essayer de faire découvrir ce moment de sensation hyper agréable. Oui, t'es comme non. Être bien, détendu, relâché, complètement détendu, se sentir bien. Peut-être qu'à un moment, on ira dire le mot dehors, ça n'a rien à voir avec ton sommeil, c'est juste se laisser aller complètement, juste se laisser aller tranquillement, juste écouter notre voix, complètement. Vous allez mettre la main au-dessus de vous, là, de cette manière, et écouter les instructions de la patronne. C'est moi. Ok, vous allez regarder à l'intérieur de votre main. Vous allez fixer un point sur la paume de votre main et vous allez rester concentré dessus, entièrement focalisé dessus. Et on va passer en colo et vous placez un aimant juste là, juste ici, un aimant juste ici et juste ici, un aimant là et là. Et vous restez entièrement concentré sur ce point-là et vous allez sentir que maintenant, votre main commence à se rapprocher de plus en plus et de plus en plus. Et plus votre main se rapproche, plus vous êtes détendu et relâché. Vous allez même pouvoir fermer les yeux et sentir cet état de relaxation. Fermez les yeux, sentez cet état de relaxation vous envahir de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus. De plus en plus. Votre main se rapproche maintenant deux fois plus. De plus en plus. Deux fois plus. Un petit stress. Ok, de plus en plus. Entièrement détendu et relâché. Votre main se rapproche. Deux fois plus. De plus en plus. Merci beaucoup. Allez, on peut y aller. Ok. Imaginez-vous dans un ascenseur. Imaginez un ascenseur de relaxation. Imaginez votre ascenseur de relaxation. Parce que maintenant, vous êtes sur scène. Et vous êtes bien. Vous n'avez jamais été aussi bien. Sauf toi, avec les chaussures, mais tu te mets en direct. Ensuite, imaginez que tous les soucis disparaissent. Que tout disparaît maintenant. Juste être concentré sur la musique et sur ma voix. Imaginez, vous êtes dans un ascenseur, vous êtes au cinquième étage et vous descendez maintenant au quatrième étage. Détendu. Complètement détendu. Complètement relâché. Et plus fort, de plus en plus fort. Sentir que tes articulations au niveau de tes coudes se bloquent maintenant. Tout est bloqué, figé, scellé, serré, soudé. Tes mains sont complètement collées à toi. Tout ton corps devient une barre de fer, complètement impossible de décoller ton corps. Ton corps, tu ne pourras plus bouger. Tout est rigidifié maintenant. Impossible de bouger ton corps. Ton corps est raide comme une barre de fer. Tu peux même sentir le sang qui se glace maintenant. Tu n'as jamais été aussi bien dans cette position. Tout ton corps est raide, complètement impossible de bouger. Complètement impossible de bouger ce corps. Parce que tu es une barre de fer maintenant. Complètement, complètement. Et tu ne peux plus décoller ton corps maintenant. Une barre de fer, de plier ce corps. Tout est rigidifié, complètement rigidifié. Deux fois plus, tout se rigidifie complètement. Deux fois plus, trois fois plus. Et on va venir mettre une petite bouteille d'eau sur toi. Une petite bouteille d'eau sur toi. Une petite bouteille d'eau sur toi. Une petite bouteille d'eau qu'on va mettre sur toi parce que tes fesses se lèvent maintenant. Deux fois plus, une barre de fer, complètement impossible de plier ce corps, complètement impossible. Tout est rigidifié. On va mettre une petite bouteille d'eau sur toi, ce sera complètement impossible pour toi de plier ce corps qui se rigidifie maintenant. Impossible de décoller, impossible. Entièrement dur comme du fer, dur comme du métal, dur comme du fer.
lèves tes fesses de plus en plus. Dur comme du fer. Ahmed, pousse toi. Dur comme du fer. Ahmed, pousse toi, on voit pas. Ahmed, pousse toi. T'étais un chat, Ahmed. Et tout redevient normal. Maintenant. Alors, c'est bien. Merci Lucas, comment tu te sens? Ah, si tu savais. Si tu savais. Attends, on te voit quand même. Est-ce que tu as senti la bouteille d'eau qu'on a mis sur toi? Tu as senti? Un peu. C'était lourd ou pas? T'as vu, c'est une bouteille qui croyait. Comment? Tu t'as droit de parler? Non, c'est pas. Ok, regarde, juste ta main, je crois. Fin de ta main, regarde. T'es collé, tu peux plus parler, comment tu peux plus parler? T'as ma main, deux fois plus. C'était comment du coup? On peut encore applaudir Rita. Ok, bon, alors juste pour le public, vite fait, on garde les trois personnes qui ont été hypnotisées pour leur faire un réveil complet, juste pour après. T'inquiète pas, pour qu'elles puissent se souvenir de tout. Si 10 comptons, c'est à moitié. Et pas sachet, pas sauf perte. Allez, c'est moi, c'est toi, le crevard, tu vas y aller direct. Ça se voit. Donc suivez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur Facebook et vous nous contactez via la page Facebook Inside HYN apostrophe SID. C'est cas là, si vous dites tonton, on est obligé de vous faire une passage de place au faire. Voilà, c'est cool. Par contre, s'il te plaît, elle, l'arrivée à peu. On doit la vie. Je l'aime pas. Justement, moi. Et j'ai dit, viens, tu sortes. Et on est content d'être là. Ça se voit. Toutes quêtes sont finies et les stamines accomplies font gonfler les vessies, les pierres de mon quartier. Rose brune ou ambrée, les pierres de mon quartier me laissent l'eau amère, me fait chavirer.
Sitôt qu'elles sont finies, et les stories d'accomplir, font gonfler mes cils, les bières de mon quartier. Alors, on s'appelle Artimon, on fait de la chanson folk, et dans notre répertoire, on a l'habitude de faire chanter les gens, et ça tombe bien, il y a des gens. Je dis ça parce que parfois on chante et il n'y a pas de gens. Est-ce que vous voulez chanter avec nous? Ouais! Alors c'est facile, il faut suivre Gilles Derrick. Il va falloir répéter ce qu'il répète. Il y avait trois marins, voguant en 80. Il y avait trois marins, voguant dans le lointain. Ils parcouraient les mers éternelles. Ils parcouraient les océans entiers. Ils parcouraient les océans entiers. Alors qu'ils naviguaient au large des sanguines. Alors qu'ils naviguaient sur la mer agitée. Ils aperçurent dans l'ombre d'une vague. Ils aperçurent un galion portugais. Ils aperçurent dans l'ombre d'une vague. Ils aperçurent un galion portugais. Alors ils abordèrent le navire en péril. Alors ils abordèrent le bateau en galère. Pour tout piller sur ce joyau des mers. Pour tout piller comme de vrais flibustiers. Pour tout piller sur ce joyau des mers. Pour tout piller comme de vrais flibustiers. Le forfait accompli, ils s'en furent réunis. Tout l'équipage de la cale au grand mât, tout le monde était là. Parmi les prisonniers qui peuplaient le bateau, il y avait une Margot. Les trois marins en tombèrent amoureux. Le plus malin usa de subterfuge. Il perdit son latin et il trouva refuge. Tu es habile, je dois le reconnaître. Mais sans mobile, je ne serai pas ta conquête. Le plus mignon essaya de la séduire. Il perdit un moignon, ne la fit pas sourire. Tu es jolie, les guerres, avec ta gueule cassée, tu ne fais pas l'affaire. Tu es jolie, mais tu ne me plais guère. Avec ta gueule cassée, tu ne fais pas l'affaire. Le plus téméraire lui demanda sa main, lui promit des merveilles, mais la belle refusa. Mon cœur est pris, et il n'est pas à vendre. Mon cœur est pris, tu ne pourras pas le prendre. Mon cœur est pris, et il n'est pas à vendre. Mon cœur est pris, tu ne pourras pas le prendre. Vous connaissez l'histoire, la suite? Sur le continent, ils relâchèrent la belle. Sur le continent, ils disparurent en temps. Se retirer loin du bateau maudit pour méditer cet amour interdit. Se retirer loin du bateau maudit pour méditer cet amour interdit. La légende raconte qu'un mousseux de passage, marchant sur l'avenue, découvrit trois pendus. Depuis ce jour qu'on les a retrouvés, depuis ce jour, les marins sont payés. Depuis ce jour qu'on les a retrouvés, depuis ce jour, les marins sont payés. La 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 la
l'histoire des trois marins, elle est célèbre. Elle se raconte de taverne en taverne. Il y a une autre chanson qui se raconte aussi, cette chanson. Elle a des gestes. Alors si vous voulez faire ces gestes avec nous, et ben ça fait comme ça. Allez, gestes et paroles. Mais aujourd'hui, le soleil brille. Et on va faire sur brille un grand soleil. Aujourd'hui, le soleil brille. On y va ? Aujourd'hui, le soleil brille. Ok. Niveau 2. La vie est un super cadeau. Sur cadeau, on fait ça. Ok ? La vie est un super cadeau. Aujourd'hui, le soleil. La vie est un super. Et les oiseaux, ils font cucu. Cucu, ok. Et les oiseaux, ils font. Mais le corbeau, il est pas beau. Et sur pas beau, on fait. Et le corbeau, il est. Alors, aujourd'hui, le soleil. La vie est un super. Et les oiseaux, ils font. Mais le corbeau, il est. Super, on tient le tube. Le jour de mon anniversaire, alors je t'ai recueilli dans une petite grange. T'es fait ton petit nid, donner des graines pour que tu manges. Tous ensemble. Aujourd'hui le soleil brille, la vie est un super cadeau. Et les oiseaux ils font cuicui, mais le corbeau il est pas beau. Aujourd'hui le soleil brille, la vie est un super cadeau. Et les oiseaux ils font cuicui, mais le corbeau il est pas beau. Tu mettais dans ma main quand je t'apportais à manger. On est venu te peindre ensemble pour l'éternité. Par crainte des matous, je fermais la fenêtre. Et quand j'avais les coups, tu me picorais la tête. Aujourd'hui le soleil brille, la vie est un super cadeau. Et les oiseaux ils font cuicui, mais le corbeau il est pas bon. Aujourd'hui le soleil brille, la vie est un super cadeau. Et les oiseaux ils font cuicui, mais le corbeau il est pas bon. Plus jamais je ne te verrai. Volera au-dessus de mon toit. C'est alors que je te perdrai. Moi je voulais pas que tu partes, mon protégé, mon bébé. Je voulais pas que tu t'échappes, alors je t'ai fait empailler. Aujourd'hui le soleil brille, la vie est un super cadeau. Et les oiseaux ils font cuicui, mais le corbeau il est pas beau. Aujourd'hui le soleil brille, la vie est un super cadeau. Et les oiseaux ils font cuicui, mais le corbeau il est pas beau. Bravo les gars. Qu'est-ce qui s'est passé avec le son?
Alex, Alex, Alex. Ah, ça fait pas d'accord. Ah oui, c'est pas maestro. Ah, Simon, ça vient mieux ou pas? Oui, super, c'est bon, on a aimé. Non, mais arrête, il y a pas de dire. J'ai rien à dire. Fais ta promo et dégage. On s'appelle Artimon, A-R-T-I-M-O-N. On est un groupe de chansons françaises. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, à la page Artimon Musique. Et sur YouTube aussi, Artimon, on a le clip de la chanson que vous venez d'entendre, Les Oiseaux. Donc vous cherchez Artimon, Les Oiseaux, et vous trouvez directement sur le clip. Et sinon, on est en concert le vendredi 30 à Saint-Germain-en-Laye, à La Clé. Qui va y aller pour l'UNICEF? C'est important. Cause qui va à Saint-Germain-en-Laye? Noble. Karim, tu vas? C'est pour l'UNICEF. C'est pas Karim. Toi, t'as pas envie de... Tu joues? Là, t'as bien bouffé, toi. Ouais, là, là, il faut écrire, là, pour te mettre. Je suis que Karim. Et vous pouvez retrouver notre album sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Play, et j'en passe. Et voilà, Artimon. Et ça vaut le coup, ils ressortent la... comment ça s'appelle ce truc de merde? L'accordéon. L'accordéon, c'est top. Revoir des DJ avec l'accordéon. Moi je kiffe. Ouais, franchement. Artimon, ça peut être divertissant. Merci à vous. Et là on va terminer ce brunch avec... Pour savoir qui est le premier service. Personne, à part toi. D'accord. C'est un petit jeune de 16 ans. Oh! Un putain d'enfou. Ouais, je te connais. Il y a un truc. Si, tu connais toi. Non, je parle de lui parce que c'est un... Allez, je vais pas être vulgaire, c'est un putain de chanteur. Il est là, il fait le mec discret, mais sur scène, je vous jure, il est venu qu'une fois, il a déchiré la scène de réservoir. Là, je mets au chapeau, là, je m'annonce.